En 2005, je suis allé à New York pour la première fois. Je me suis retrouvé donc dans cette ville, photographié par les plus grands, des images plein la tête et tout ça. Et j'ai eu impossibilité de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et finalement, en refotographiant ces clichés, à ma façon aussi bien sûr, ils se sont surimpressionnés, un peu par hasard malgré tout, dû à un objectif de mauvaise qualité, on va dire, d'un appareil photo de mauvaise qualité, mais c'est ce qui donnait sa valeur, quoi. C'est de dédramatiser aussi un petit peu cette ville et de montrer par le jeu des lumières, par le jeu des lignes, des courbes et tout ça, que c'est une ville qu'on peut encore photographier et qui est encore là à photographier. Et puis, ma façon, voilà. Donc, ce sont des surimpressions de photographies, de clichés, on va dire, new-yorkais, qui, au final, donnent une nouvelle image, une nouvelle de New York, quoi. Enfin, je l'espère. Même si, bon, j'ai une formation qui me permet aussi de faire un paquet de photographies, que ce soit du portrait, du reportage et tout ça. Mais disons que si on veut, je pense que si on veut y mettre un sens dans la photographie, mettre un sens dans passer par l'image pour dire ce qu'on a à dire, dans ce cas-là, oui, c'est très dur d'en vivre. Il faut que ça reste un plaisir et une démarche personnelle, mais on ne peut pas trop en vivre. Donc, où on suit avec de la photographie peut-être un peu plus commerciale, toujours intéressante, ou alors ailleurs, dans un autre travail qui nous passionne, mais là, pour le coup, ouais. Moi, j'ai un autre travail pour l'instant, et puis peut-être un jour, voilà, qui sera vraiment que photographique et que mon image.